C'était mon premier sexe avec un gars. C'était la première fois que j'ai eu mon diplôme. On a fait, en tout cas, il faisait l'amour. Là, je savais pas que j'étais clitoridienne. Okay. On faisait l'amour, je sentais rien. Regarde, j'étais sur lui, je faisais ça, je monte, je descends. J'ai dit, comment les filles, elles font, pourquoi moi, je fais pas ça? Je sentais rien. Ouais. Comme si il m'embrassait. Il m'a pris d'autres positions, je sentais rien. J'ai fait l'amour une première fois, deuxième fois, troisième fois, je sentais rien du tout. Quand je suis allée aux États-Unis, on est sorti avec une fille, on a couché ensemble. J'ai senti qui j'étais exactement. Je me suis fait découvrir par une fille. Hein? Tu comprends? Non, je comprends. Elle m'a bien pris. Elle m'a fait des choses qu'on m'a jamais fait par un gars. Tu vois, c'est là que j'ai compris que quand on touche mon truc, c'est là-bas que ça. Je suis clitoridienne. Tu vois? À quel âge? Et comme maintenant, je commence là, 24. Non. Vers quel âge t'as découvert? Je pense que j'avais déjà 19 ans, 20 ans. Okay. C'est comme maintenant je commence à couler. Maintenant, avant que je couche avec un gars, quoi, mon gars, je lui ai déjà dit au début, j'ai dit, écoute, moi, je suis pas vaginale, faut pas aller Non. Tu comprends? Je commence maintenant à dire au gars. Et là, maintenant, il commence à bien faire les choses avant de faire quelque chose. Ouais, donc, je me suis fait découvrir par une fille. Ouais. Donc, si vraiment c'était à recommencer, ça va passer où? YouTube, Spotify, Apple Podcast. Parce que la fille, elle connaît bien ton corps, tu vois. Elle donne beaucoup de plaisir, mais c'est juste que dommage qu'on ne peut pas se marier. Même sur ta page Instagram, ça va passer.